Aujourd'hui, je vais vous parler de mon livre préféré, Je veux un monstre. C'est une histoire d'une petite fille que ses amis ont toujours. Toutes ses amies ont un monstre, sauf la petite fille au milieu qui tient le monstre. On peut la prendre des fois à faire des tours, plein de choses comme ça. Mais. Par exemple, moi j'ai un vrai monstre de compagnie. Puis je vais vous le présenter à la fin de ma vidéo. Puis je vais vous montrer quelques petits tours qu'il pourrait faire. Donc, vous voyez mon monstre. Je le cache. Il peut aller dans la toilette, mais c'est pas, puis elle dit, c'est pas un bain. Puis là, lui, il mange le téléphone de papa. Ici, il fait caca dans les chaussures de papa. Et ici, il met du beurre d'arachide sur sa tête. Hi-hi-hi. Il y a aussi d'autres choses que d'autres monstres. Il y a des plurps, il y a aussi des poulpes, des gurques, le mini-gog, minuscule, mais extrêmement énervant. J'avais oublié que l'auteur c'était Élise Gradel. Puis en plus, à mon école, j'ai un livre à mon école que je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais il y a Élise Gradel qui l'a fait. À la fin, il y a une activité, je vais vous le présenter. C'est que je veux. Et toi, aimes-tu adopter un monstre? Étape 1, dessiner son monstre. Étape 2, nommer ton monstre, ça veut dire écrire le nom du monstre. Étape 3, décrire ton monstre, nourrir ton monstre, c'est quoi qu'il mange. Il mange des déchets, des beignets, des arachides, du papier de toilette, des sous, puis quel tour de faire. Là, je suis rendue un peu à ma fin de vidéo. Là, je vais vous présenter mon monstre. Attendez, il faut que j'aille le chercher. Des aspects qui s'appellent, qui vous fait peur, là. Mais je sens que je fais un dessin. Il s'appelle Effrayant. Le monstre effrayant, je vais aller vous montrer. C'est quoi? C'est qui? Caractéristique, il est méchant, il mange des vers de terre, tour, être gentil. Je vais vous la faire voir. Mon monstre, il fait un peu peur, effrayant, et c'est ma fin de vidéo. J'espère que vous avez beaucoup aimé mon monstre. Et le livre « Je veux un monstre ». J'espère que vous avez vu que vous, si vous avez apprécié mon vidéo, allez la voir autant que vous voulez. « Je veux un monstre », vous pouvez l'acheter, cadeau de fête, à Noël, n'importe quand. J'espère que vous avez bien aimé ma vidéo. Bye!